Ouais, je vais pouvoir remonter peut-être là. Regardez, c'est beau, la cimente. Ah, t'as vu la source là? C'est la première fois qu'on vient jusque là. Regarde la source. Avec le niveau du lac. Ah ouais, dis donc. On n'est jamais venu aussi loin. Regarde cette racine, elle est magnifique. Elle est magnifique. Et regarde la racine. Oh, oui, elle est magnifique. Et il y a une source. Okay, regarde, elle est attachée même. Ouais. Tu fais comment? Vas-y, je vais essayer de monter, mais après, vas-y, fais ton petit tour, je te prends en train de faire ton petit tour. Ah ouais, là-bas? Ouais. La cimente dans toute sa splendeur. Allez, recule tout droit, tout droit. Un pila, tu vas en marche arrière. Ouais. Attends. On va couper la GoPro, je voudrais pas faire un gros plouf en direct. Ça serait con que tu te casses la gueule. Attention, ouais, vas-y. T'as vu, putain, elle gère bien, regardez un peu les chevaux en action du kayak. J'étais dans le... Voilà, on a rembarqué. C'est la première fois qu'on vient aussi haut dans la cimente. Il a fallu détourner le gros tronc d'arbre là-bas. J'espère qu'il ne va pas nous reboucher le passage. Quand on va repartir. Regardez ça, la cimente. Ouais, c'est beau. Tu veux filmer là? Ah oui, tu vas. Là, encore. Là, avance un peu si tu veux. Ouais, stop, c'est bon. Sinon, on n'ira pas plus loin. Ouais, c'est joli. On aurait pu avancer en étant tout droit, puis après on repartait. Mais après, c'est le risque zéro qui n'existe pas. Attends, hop, je vais faire comme ça. On va faire un petit truc comme ça. Attention. 64 chevaux manœuvre. Ah, c'est trop bien, franchement. Allez. Regardez ça, comme c'est beau. La cimente nous offre tout son spectacle aujourd'hui, on n'est jamais venu à ce niveau-là. C'est une première. C'est vraiment une première pour nous. Bon, l'arbre, il nous a bouché le passage. Ah non, il est toujours poussé. On est bien. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, on fait notre petit geste pour remercier... Le lac, on récupère une bouteille, un déchet. On récupère un déchet. Et l'accumulation des... C'est fou hein, quand même. Hein. Bon, on est bloqué, passage. Elle se pousse là, la racine qui est devant. Elle était maousse, mais on l'a poussée quand même. Et on est passé. La voie est libre. Ah ouais, c'était trop bien. C'est quoi là-bas, quoi? Tu veux récupérer un déchet? Ah, ce qui flotte là-bas, oui. Ouais, c'est beau. Voilà, on a poussé ce gros tronc d'arbre, là. On l'a poussé. Tout à l'heure, on ne pouvait pas passer. Maintenant, la voie est libre. Merci la cimente. Voilà. Avec le contraste avec le sombre ici à l'ombre, c'est que le dire. Et le soleil qui éclaire les feuilles de l'autre côté. Tiens, juste. On a accroché juste avec la dérive. Ses couleurs. Petite cascade. Il n'y a pas un souffle d'air. Hein. Alors on fait cette prise de vue pour montrer la hauteur de cet arbre. Regardez un peu la hauteur qu'il a. Ils sont gigantesques.
Et il doit faire 30 mètres de haut, je sais pas. C'est de la folie. Il est droit comme un i. Une toute petite cascade, un ruissellement. On voit qu'il a bien plu ces derniers temps. Ah, le soleil fait son retour, ça fait du bien. Tiens, je vais prendre l'oiseau sur la bouée là-bas. Pas évident de pas bouger. Donc là, on arrive juste à la limite de vitesse, zone vitesse et zone lente. Ouais. Là, c'est le début de la zone pêcheur jusqu'à Pont-de-Poite. Et là, on rentre ouais, dans la zone vitesse jusqu'à Belsin. Alors là aussi, c'est sauvage, c'est tout érodé. Là, avec la zone vitesse, je pense que les vagues doivent bien contribuer à l'érosion. Enfin, c'est pas parce que les bateaux vont vite qu'ils font plus de vagues. Hein. Quand ils sont déjaugés, ça fait beaucoup moins de vagues. Allez, on touche à rien. Regardez un peu cet arbre, il est prêt à descendre. On touche à rien. Il tient par quasiment rien du tout. Regardez aussi celui-là comme il penche, il tient par pas grand chose. Ouais, il y en a déjà un qui a versé. Et celui-là il va suivre. Ben, c'est par un grand coup de vent que ça va descendre. Il y a de ces bois. Et une fois de plus, la casquette, elle va partir. C'est beau. C'est des moments magiques. Là, il y a vraiment beaucoup d'arbres qui ont fait leur... Ouais, qui ont basculé dans le lac. C'est énorme. C'est incroyable. On le voit, il est carrément déraciné là-bas. Une cascade, hein, parce que c'est envahi de mousse. Regarde là-bas. Il y a une roche en plus. Oh, oh la couleur verte. Oh, c'est beau. Ouais, elle danse dans l'eau. Ah oui, elle est prise dans les cailloux. Oh là là, les racines devant. Ça passe devant ? Il dirait une tête de serpent, ouais. Regardez, je vais essayer de la prendre. Je vais la prendre à la caméra, Valou. Attends, la tête de serpent. Ouais, non, ça va. Je l'ai. Regardez, on dirait une tête de crocodile. On a trouvé le crocodile du lac de Vouglans. C'est impressionnant. Allez, go. Ouais. Il m'a même pas mordu. Ouais, j'adore. C'est roche. Il y a un trou, ouais. Une grotte.
Ah ouais, tiens, c'est un bénitier. Ouais, c'est ça. C'est le bénitier du lac. Regardez devant cet arbre qui est penché, qui demande qu'à tomber. Et là, on va rencontrer deux sympathiques pêcheurs. Ah, il fait doux quand même. Hein, oui, oui. Oh, pas... ouais, bah vous nous connaissez peut-être hein, sur les groupes. On poste plein de vidéos sur le Jura. L'aventurier Laïka et son kayak, ça vous dit rien? D'habitude, cet arbre, il est sur son perchoir, sur un promontoire. Et là, il est carrément au milieu de l'eau. Alors là, c'est assez incroyable. Et on fait le tour, hein, là. On va faire le tour du lac. De l'arbre. Pas du lac, de l'arbre. Oh, ah ouais, c'est trop bien. Et ici, on avait trouvé un leurre, une fois. Vous voyez? Oh là là, l'arbre, il est au milieu de l'eau. Il est loin du bord, hein. Vous voyez un peu? Il est sur un promontoire là en fait. Ah, incroyable. Il n'y a pas beaucoup d'eau là, tiens, on voit, tu vois, regarde. C'est top. Hein. Et on pourrait traverser l'eau au milieu. Ah ouais, c'est bien. Et oui. Incroyable, on fait le tour. Et ben voilà, on a fait le tour. Vous voyez comme c'est joli au fond. Ah, en récupération d'un déchet. On n'a pas trouvé beaucoup aujourd'hui. Voilà, on arrive bientôt au terme de la balade. On va passer sous ces grandes roches encore. Toujours à plan total devant. Le ciel est voilé et laiteux. On a une magnifique journée. Et regardez un peu. C'est toujours magnifique. C'est beau, hein? Regarde-moi ça. On dirait un chat, regarde. On dirait la forme. Ça se dessinait la forme d'un chat dans le trou. Moi maintenant, mais tout de suite j'ai cru que c'était un chat, ça faisait l'ombre d'un chat. Écoutez, silence. Oh, on passe sous les feuilles là. En train de me mouiller. Ah oui, parce que la perche est en train de se vider sur moi. Regardez ça. C'est balèze. Hein. Non, je crois pas. Je sais pas. Oui, il y en a, mais ils sont. Ça doit être les yeux du lac, mais ils sont sous. Là, j'aurais pu envoyer la GoPro sous-marine. Tu veux? Ouais, on repasse pour envoyer la GoPro là. On repasse pour envoyer la GoPro sous-marine. Ouais, c'est trop beau.
Ah, les couleurs. Là, on va reprendre le même trajet avec la GoPro immergée. Mais encore. Ouais, c'est beau. Hein. Allez, on va envoyer la GoPro sous l'eau pour la vue sous-marine. Ben voilà, on arrive au pont de la Pile. Magnifique journée sur l'eau. On traverse? Ou tu veux qu'on aille un petit bout? On va un petit bout encore? Ouais. Ouais. Et là, regardez bien cet écrin de verdure que va nous offrir les berges du lac de Vouglan. Oh, la couleur verte qu'il y a là. Ah oui, ça c'est joli. Hein. Mais je me rapproche plus. Non, non, c'est bon. Ah ouais, c'est top là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est sur ces dernières images que se termine notre vidéo. Allez, on traverse le lac, les derniers coups de rame et on rentre, terminer la sortie du jour. Ah ouais. Regardez le plan d'eau, il est d'huile. On va juste passer à côté du Louisiane et voilà, ce sera terminé. On vous dit à très vite dans une prochaine vidéo. Vidéo non monétisée, juste pour le plaisir du partage avec vous.